Comme chaque vendredi, il est temps de retrouver maintenant un soir à Paris avec Jean-Laurent Serra. Bonsoir et bienvenue cette semaine. Un soir à Paris revisite Alice au Pays des Merveilles, ici aux Folies Bergères, avec Momix, une compagnie de danse très visuelle. Momix, c'est plein de surprises. Les Folies Bergères présentent ici une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, la signature de Momix, une compagnie américaine spécialisée dans la danse et l'illusion depuis plus de 42 ans. Bon, ça part de Alice, mais faut pas s'attendre à voir Alice au Pays des Merveilles. C'est plein d'idées, de visions. C'est une compagnie qui donne l'impression qu'on peut accéder à l'impossible. Aurélie, vous êtes une jeune danseuse, vous connaissez la danse. Qu'est-ce qui change avec la compagnie Momix? On n'est pas seulement des danseurs, on est aussi des illusionnistes. Le plus important, c'est l'image. Donc apprendre à faire en sorte que les objets qu'on utilise deviennent l'illusion, deviennent la magie. Et oui, c'est comme on devient, en tant que danseur, on devient des magiciens. Momix, c'est 42 ans de création, on peut parler d'un succès mondial. Qu'est-ce qui fait l'ADN, la carte d'identité de cette compagnie? Je pense que c'est vraiment l'originalité. Le fait qu'il n'y ait pas une autre compagnie qui fasse la même chose. Chaque spectacle, malgré que ce soit le même style, est très unique en lui-même. C'est une idée très différente. Nous, on a visité plus ou moins 46, 47 pays au monde. Mm-hmm. Et partout, on revient.